Alors ce thème me parle et pour le traduire à ma façon, je dirais que c'est Dieu qui s'est donné pour nous, c'est Jésus qui s'est crucifié sur la croix pour nous et c'est le pain de vie, c'est lui qui nous est donné pour la vie. Et pour l'interpréter à ma manière, je dirais que de tous les jours, je dirais que déjà Jésus est grand, Dieu est grand, c'est lui qui nous fait vivre tous les matins. Et quand il cette phrase là pour le frate, je dirais que c'est comme si c'était un signe de plus que j'ai eu dans ma vie encore. Et c'est comme ça que chaque jour j'avance, c'est avec ces signes là que j'avance dans ma vie chrétienne, autour de ma famille et de mes amis. Donc le thème du frat, c'est « Je suis le pain donné pour la vie ». Donc c'est vrai que quand on nous a donné ce thème, on s'est tous regardés avec des grands yeux, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc pour moi, ce serait l'Eucharistie, le Christ qui est le pain donné pour nous. Mais à part ça, c'est vrai que ça ne va pas plus loin. Donc j'espère que le frat va m'apprendre ce que c'est. Alors pour moi le thème je suis le pain donné pour la vie, je sais que le pain c'est le Christ, après je sais pas vraiment ce que ça veut dire, donc je suis venue au frat pour m'éclairer sur le thème justement du frat. Pour moi le thème je suis pain donné pour la vie, je pense que le pain c'est le Christ, et donné pour la vie c'est le Christ qui s'est donné pour les hommes sur la croix. Alors pour moi le thème je suis le pain donné pour la vie. Nous, on est des jeunes, on vient ici pour le frat, on vient pour prier, chanter, rencontrer. On vient ici vraiment de la façon la plus simple qui soit. Donc on vient pour prier. Donc je pense que vraiment, je suis le pain à donner pour la vie. On vient pour se consacrer pour Dieu, pour Lourdes et pour le frat.